Vous avez des images fixes et vous aimeriez les mettre en mouvement pour créer et surprendre l'utilisateur et le visiteur de votre site. Alors cette formation est faite pour vous. Je me présente, je m'appelle Romain Duclos et je vais être votre formateur pas à pas pour cette formation de comment mettre des images fixes en mouvement. Donc on va voir différents ateliers. Dans un premier temps, on va voir un petit gif animé tout simplement style bannière Facebook pour promouvoir un événement, un lieu, un site internet, peu importe. On va voir ça ensemble. On va voir également tout ce qui est le cinémagraphe, avoir une image fixe et une partie en mouvement avec une vidéo. Donc on va en faire plusieurs pour que vous compreniez bien tout le principe. Ici, vous voyez, ça tourne en boucle et ça va être un gif comme une image que vous pourrez mettre sur votre site internet. On va voir également l'effet parallaxe qui va vous permettre de créer un mouvement sur une image fixe. On va isoler des parties, on va mettre un premier plan en mouvement, un second plan, un troisième plan, et ainsi créer un mouvement sur votre image fixe. Il y aura plusieurs ateliers, on va voir ça ensemble pas à pas, et vous allez comme ça savoir à la fin de cette formation, mettre en mouvement toutes vos images fixes pour créer et surprendre l'utilisateur. Donc si cette formation vous plaît, n'hésitez pas à regarder les petites présentations gratuites et cliquez pour acheter. À très bientôt !